Son déhanchement était lassif, comme une vague sur un récif, par mer pleine. Entre la nuit et le jour, au clos du nuage, sous l'arbre de nos bois, je t'attends. Que les gens qui jouent sont des travestis. Alors ça plaît pas à tout le monde de dire ça, mais je trouve que c'est plus qu'un problème de déguisement, c'est travesti, parce que ça, le déguisement c'est extérieur, mais le travesti c'est intérieur aussi. Mm-hmm. Et c'est un problème qui me touche moi particulièrement. Tu dis que, j'ai lu dans un article, tu disais que tu adorais les gens qui ont quelque chose d'hyper féminin et de foutu. Oui, oui, parce que les gens qui ont quelque chose de définitivement sûr, ils m'angoissent. Mais et la féminité, elle appartient à tout le monde. Je veux dire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, s'il n'y a pas un endroit féminin, ça me déboussole. Oui, je crois que c'est important. C'est un sentiment qu'on ressent souvent. Oui. Comme un manque. La première fois que je t'ai vu, c'est dans un film de Rivette, c'est dans Duel. Où tu avais un personnage totalement sophistiqué, presque décadent d'ailleurs. Oui. Et où là, tu étais donc hyper femme, donc à la limite femme travestie en déesse. Femme, oui, une déesse. Exactement. C'était un film très beau sur la déesse de la lune et du soleil qui se rencontraient. Et Bulogier, c'était le soleil. Alors Bulogier, oui, c'était le soleil, toi t'étais la lune. Vous avez eu le droit de choisir comme ça, Non, pas de manière totalement différente, justement par le personnage. J'ai choisi les costumes, j'ai choisi ma gueule. J'avais très peu de temps, j'avais 4 jours avant le truc. Donc il fallait vraiment que j'exorcise les autres personnages que j'avais fait avec Rivette et que j'aille dans mes fantasmes. Donc j'ai même fait des trucs diaboliques à Rivette pour pouvoir jouer avec des voilettes à l'époque. C'était là-dessus ce rôle. C'était physique, c'était le costume qui déterminait vraiment mon personnage. Et la voix, je voulais aller plus loin. J'en ai voulu un moment arriver de ne pas oser aller plus loin parce que je pensais que la voix, on devait, en plus, quand on est des déesses, on ne doit pas parler comme les autres. On doit avoir le droit de parler encore pire n'importe comment. Au clos du nuage, sous l'arbre de nos bois, je t'attendrai. Au bout des doigts comme à Brooklyn, un vieil écho de George Gershwin. Comme on aime la dame Ortard qui pianotait sur les Vespasiennes n'était qu'un vieux travelot bizarre du bois de Vincennes. Son charme était toujours discret, son pianotement doucement swingait à l'ancienne.